Hop J'entends là. des bangs, hein. Oui, j'entends des bangs aussi, je À mon t'écoute. avis, je pense qu'il doit y avoir un zombie à la porte. Ou à une porte. Alors, tiens, j'ai pas mis ça. Tac, tac, Bah tac. non, Si. pourtant il est pas à Si. cette porte-là. Bah non. On va Ouais. faire le tour de la maison, il n'y a pas de zombie. Ah, peut-être à l'intérieur. C'est pas une pièce qu'on n'a pas Ouais, explorée. il y a d'ailleurs une pièce où il y a une porte qui est fermée. Et avec un zombie derrière. Uuuh. Allure. Est-ce que... Oh, c'est quoi cette merde? Pourquoi T'es pas là. mon chat il va pas devant? T'es pas là. Chaud, c'est dingue. Et pourquoi tu veux libérer un zombie qui est enfermé? Bah pour lui tétaner sa gueule. J'aime pas quand ça cogne à la porte parce que du coup le problème c'est que s'il y a d'autres zombies qui viennent taper à la porte, on fera pas la différence. En bas, au sud, il y a deux zombies. Bah, ça a arrêté de taper, alors je sais pas où il est. Est-ce que j'ai un stylo? Crayon de papier. Je sais pas pourquoi. C'est bizarre Dans ce. le papier, c'est bien pour faire des Oui, c'est ça, annotations. mais je sais pas si j'en ai un ou pas en fait. Dans tout mon bordel, c'est bon, j'ai un stylo rouge. Petit bizarre. Est-ce que. Alors, il y a qu'un seul spectateur, donc ça va pas aller très loin pour l'instant. Hop. Moi, je vous attends. Alors, nous J'ai attendons. soif. Vous êtes dans la baraque ou vous en êtes parti? Moi, je suis toujours dans la baraque. J'ai essayé de chercher le zombie, mais j'ai pas trouvé. Oui, mais c'est vrai, je reconnais que c'est assez étrange. C'est bon, j'avais soif. Bon, nord, sud, est, ouest. Allez, on ouvre la carte. Moi, je dirais sud-ouest. Sud-est, pardon. Alors, tu dirais Vers la forêt. sud-est. La forêt, là? Ouais. Alors, Il y a des maisons isolées dans les forêts en général. Enfin, sur la cartouche. Cette maison-là, elle était pas mal, mais si pour toi elle est trop pire, c'est tout ça, c'est ce que tu appelles du trop au milieu de la ville. Il y a du monde en bas. Ouais, j'ai vu. Ah, tiens, j'ai faim. Moi, je suis complètement dépressif et complètement. Merde. Et je viens de me faire. C'est bon. Je viens de me Vous refaire cherchez trop le contact en fait. blessure légère. Ouais, mais on est des vrais, mais oh putain. Je suis un peu dans le mal quand même. Mais c'est pas grave, t'inquiète pas, t'es bien entouré, quand tu mourras, on pourra looter ton C'est cadavre, ça. c'est bon. C'est ce qu'il faudra. Mais en vrai, Ceci... Il faut que je mange, moi, ceci étant, j'ai dit. Je pourrais enlever tous mes bandages Et tu veux qu'on aille voir te laisser dans la mourir. maison et me petit suicider. Là, je confirme que c'est la vraie forêt. Hein. Comment vous avez grimpé au-dessus de la Avec E. palissade? Tu maintiens E appuyé. Ouais, même sans maintenir, ça passe. J'ai foutu de ma conserve. Moi j'ai pas de bouffe perso donc. Moi j'ai plus beaucoup de bouffe. J'en ai pas mal dans mon sac, hein. J'ai encore pas mal de conserves dans mon sac. On va essayer de trouver un chemin et le suivre. Là, il y a un chemin Du là coup, où je suis. j'étais en train de bouffer donc je sais pas du tout où vous êtes passé. On est parti plein est avec Partie plein Nico. est. D'accord, ok. Je pense qu'on peut les atteindre là. Sur le Parce que le problème chemin. c'est qu'en pleine forêt. Ouais. En pleine forêt, je sais pas Là, du à tout si je gauche. vais dans la bonne direction. Puis j'entends des bruits. À mon avis, on n'est pas tout seul. Oui. Tu veux Oh que je putain, crie comme ça, tu sais où il faut aller? j'ai Oui. soif et j'ai faim. Ah, maintenant j'ai trop chaud. Et moi j'ai mal. Ah, y a personne qui va bien. Si, moi ça va. Tous des J'ai mis un bouquet. chochottes, tous des chochottes et survivalistes. Est-ce que vous voyez ma barre de progression? Non, ok. Non, on ne la voit pas. Ouais, j'ai vu sur ton stream du coup. Je sais pas du tout. À mon avis, Par je suis pas ici. du tout. T'as vraiment crié? Ouais. Je suis pas du tout au même endroit que vous là. Chemin. Est-ce que t'as vu un chemin? Oui, mais je suis sur un chemin, mais à mon avis, c'est pas le même que le vôtre. Si. Non, c'est vrai. Moi, je suis quasiment au bout du chemin là en fait.
Et t'es parti en sud ou nord? Au nord. Mais Ah. ta carte, Geoffroy, et monte-lui. Voilà, regarde sur la mienne. Ah bah non, tu peux pas regarder sur la Non, mienne, j'ai j'ai pas pas. partagé. Regarde ma carte. Ah bah donc vous êtes au sud, ok. Bon, bah, on remonte au nord. Putain. Non, Non? bah, ou je redescends, Oui, plutôt vas-y, je redescends faire et. redescendre une personne qu'en faire monter trois. Alors par contre, éviter de halt-tab quand t'es en pleine forêt et tu sais pas du tout ce qu'il y a à côté de toi. Que t'es pas certain d'être encore vivant quand tu vas revenir. Ah, je suis humide. Je suis mal barré. Il me semble que j'ai des torchons dans mon sac. C'est bientôt la nuit. Je sais pas à quelle heure elle tombe, mais il est 21h20. Se sécher. Hop. Ça va tomber. Torchon On va trouver un abri avant la mouillé. nuit. Posé par terre. Bah oui, 21h20. Ouais, ceci. Je devais y descendre, mais si vous continuez à descendre, je vais mettre du temps à vous rattraper. Ouais, là, on attend un peu. On continue le Mais chemin, à votre avis? je vais regarder ce chemin en attendant. Ok. Ok. Bon. Tiens, reste là, Geoffroy, je vais voir là, moi. Ok. Me laissez pas tout seul! Ah, on se sépare comme dans tous les films, C'est tous les films d'horreur. exactement ça. Je suis humide et j'ai chaud. Moi, je suis C'est une dépressif. tornade, quoi. Oui, non, mais toi, Dépressif. on sait que tu vas crever, de toute façon. Moi, il y a un autre chemin qui Je vois des reprend plus toits, loin. moi. Et puis j'ai beau me sécher, je suis toujours humide. Je vois Moi, des je vois. toits. Moi, il y a de l'eau là où je vais. Alors, oui, si t'es parti vers l'ouest, Little Pie, effectivement, Ouais, il y a des. Ouais, il y a des barrages. Je vous ai toujours pas rejoint. Moi, il y a un lac, mais il n'y a pas de. Ah, Comment dire? on pourra Il y a pêcher. un gros lac. Ah! Bah, peut-être Ça y est. qu'on peut. Ça y est, tu m'as? Pourquoi est-ce que tu me vois pas, toi? Je sais T'es pas. devant moi, là. Littéralement. Ah. Parce que il est dos à toi. Tu vois Non, non, jamais non, ton non, point. mais il a tourné sur lui-même, il a fait un tour complet, moi je le vois sur mon écran, il a fait un tour complet, il me voit pas. Peut-être qu'il y a un des malus qu'il a à droite qui fait qu'il est devenu aveugle. Il est devenu aveugle, c'est ça. Non, je vois. Ben oui, mais moi il me voit pas. Je suis là, Peut-être. tu viens de me passer devant. On me voit? On me Hein. voit Si, pas. je te vois. On Mais peut peut-être je te attendre. vois, éternel. Mais sur le stream de Golden, je n'apparais pas. C'est intéressant. On peut peut-être aller à gauche, là, vers Ouais, parce que se en mettre dans haut. une baraque pour la nuit. On peut activer le PVP? Je tape Ah, dessus comme ça il me voit pas en plus. c'est vrai que c'est très. Ninja! En plus des zombies, il y a des fantômes, quoi. Ouais, c'est Je ça. suis en avance ou en retard pour aller win. T'as des loups? Mais c'est vrai que c'est quand ça se fait que. Je sais pas. Bonjour tout le Peut-être que monde. tu feras une roco déco roco quand on sera dans la maison. Ouais, sauf que je sais pas trop Parce comment. que tu m'as vu tout à l'heure en plus Bah oui. quand je vous Ici, ai là, on approché. retourne au sud de la ville. Hein. Ouais, Enfin, c'est ça, c'est ça. la ville. Ouais, mais c'était le but. Enfin, c'est juste rentrer dans une maison pour la nuit, là. On Ok, pourra. d'accord. Alors, en fait, ça, c'est la baraque. À peu près. Non, c'est pas exactement Non. celle qu'on a laissée, mais Ça, elle a notamment. l'air grosse. Bon, allez, vas-y, je passe en premier. Personne. Ah! Barbecue! La porte a été pétée ici. Un barbecue! Un barbecue! Non. Il y a un drap si vous voulez. Bon, j'en ai quelques-uns s'il faut couvrir des fenêtres. Hein, Moi, il faut que je le mange. Fromage fondu Moi frais. aussi, il faut que je mange. Fermer les rideaux. Faut tout ce qu'on mange. Ouais, il y a vraiment plus de portes hein, par contre. Ah ouh, putain, il y a plein de monde! Barrez-vous! 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 Genre vite! Nico! Nico! Je suis en train de manger. Non, mais adieu, Nico! Ah oui, ou putain! C'est encore un faute à jouer, je crois, ça. C'est ça. T'as réussi à suivre Zitalpi? Ouais. Il arrive, il arrive. Sous prétexte qu'il est en train de crever, il nous ramène tout le quartier sur la tronche, quoi. Hop. Ça y est, c'est les nuits. C'est 23h la nuit. Ah oui, d'accord. Ah oui, la nuit, c'est... Oui, c'est rapide. Non, non, mais encore, c'est léger, là. Ah, mais c'est peut-être parce que je suis nyctalope. C'est peut-être pour ça. Toi là, salope. Ça aide. Il y a quelqu'un, là, déjà. Ouais, Je le vois devant moi la aussi, je porte. le vois. Ouais, ça a l'air d'être quelqu'un de gentil, ça. Oui? Bah, la porte n'est pas pétée. Les vitres ne sont pas Ouais, mais il y pétées. en a peut-être d'autres qui sont pétés.
Ah, bon. Il y a un carnage. Ça y est, ça commence à faire boum. À mon avis, il nous a vu. Ah, la porte là, elle est pas pétée non plus. Ah non, c'est qu'il essaye de rentrer. Il est enfermé dans un petit. Ah merde, la porte est. Elle est verrouillée. Ah, mais non, mais c'est pas grave, on a un cambrioleur. Ah! J'ai peut-être été vu. Tu peux crocheter les portes, Little P? Les fenêtres, normalement. Il a, moins de risques de bloquer les verrous. Ouais, mais pour ça, il faudrait que Geoffroy arrête d'essayer de les ouvrir et qu'il bloque, en fait. Si, il y en a une qui est pétée, là, quand même, de fenêtre. Oui, je sais pas pourquoi vous emmerdez, mec. Mais... Attends, enlève le verre avant. Oui. Mais j'arrive pas à sélectionner. Sinon. C'est bon. En plus, il y a des rideaux. Bon, on va lui ouvrir la porte, quand même. Vas-y, passe. J'y vois rien. À la limite, laisse-moi faire. C'est... Ouais. Reste en backup, mais vu que déjà je suis mal moi-même. Je suis Little Pi, je suis. Vas-y, je m'attraque à ton cadavre. J'ai quand même ma belle matraque. Putain, elle est résistante. Hein. Tiens. Ah, j'ai plus de. Elle est pas morte. Hein. Ah, si, elle est morte. Si, j'ai morte. Par contre, moi, j'ai plus de matraque. Ah, bah voilà, mais c'est pour ça que je te dis de les achever à coups de pied et pas à coups de matraque quand ils sont au sol en fait. Je pense que ça c'est à peu près aussi rapide et ça t'évite de niquer ton arme. Je vais il y a du chocolat si toi qui es déprimé. Je vais lire, ouais. Il y a deux bouteilles remplies d'eau là pour ceux qui en ont pas. Ah, moi j'ai pas d'eau, ouais. Les premiers secours niveau 1 aussi. Sur une des étagères là, il y a, dans la cuisine, les étagères qui sont en hauteur, il y a deux bouteilles d'eau remplies. Donc... Ouais, je vous le dis. Une. Je bouquine pour essayer de perdre la... Moi j'en ai deux, hein, si jamais il faut en plus partager. Moi je suis, au cas où vous sachiez pas, je suis custo. Hein. Bah... Moi aussi. Ah merde. Il y a une boîte à outils là. C'est important ça. Et une lampe torche à côté. C'est important aussi. Je vais me mettre à l'étage pour pas tirer des ombres. Une ampoule. Du coup, il y avait quoi dans la boîte à outils? Il y a un maillet en bois. Ah oui, c'est juste une matraque en fait. Comment on fait pour dormir? On a jamais dormi. Y a quelqu'un qui était dehors ou pas? Non, sinon qu'on est tous rentrés. Parce que j'ai vu quelqu'un bouger dehors. Ah bah ça. Somnifère, antidouleur. Ça c'est bon les antidouleurs. Mais j'en ai encore hein, si tu veux des antidouleurs. Ouais, non mais c'est bon là. Donc ma question c'est dans le jeu, il faut dormir ou pas? Oui, c'est mieux. Oui. Enfin, comment on dort sur un lit? Moi je peux pas faire. Tu cliques droit sur le lit, tu fais se reposer, quand il te le propose. Ouais, non. Ah oui, parce que là, il me le propose. Et d'abord il faut que je bouffe. Là il te le propose, parce que pas moi. C'est parce qu'il y a quelqu'un dessus. Ouais, non, moi il me propose pas moi. Mais j'ai remarqué, pour l'instant j'ai réussi à le faire qu'une seule fois pendant quelques secondes de me reposer et après j'y ai plus accès donc. Et ça sert à quoi de faire inspecter les environs? Explorer les environs, j'ai pas encore trop compris. Ça te permet d'illuminer certains trucs par terre, de mettre automatiquement des tags sur les objets importants au sol apparemment. Quelqu'un a un ouvre-boîte? Oui. Oui. J'ai un ouvre-boîte et des conserves si tu veux. J'ai faim. Attends, alors je vais t'ouvrir une boîte, une conserve de pêche, et je la pose par terre. Ouais, le but ce serait de trouver une base et de stocker tous les bouquins, comme ça peu importe le perso qu'on prend. Tiens, une conserve ouverte par terre. Merci. Moi j'ai juste s'asseoir par terre, je peux pas te plancer, je sais pourquoi. Non mais je peux pas non plus là. Oh, nombre de pages. 220, oui, mais c'est 220 par manuel. Et non, ça... moi c'est 260. Ah, oui, 220 c'est niveau 1, 260 c'est niveau 2. Ah oui, c'est ça. Mais pour lire un bouquin niveau 1 en entier, ça m'a pris, je crois, 10 minutes. Il y en a qui essayent de forcer une porte là. Ah ouais, en bas. Ouais, c'est pas moi. Bon, bah, on va lui rouvrir. Tu peux ramasser la poêle à faire, ça par terre, si t'as plus d'objets. Attends, il faudrait que je me... Je froid tous les... Inventaire. Tous les quoi?
Tous tes indicateurs à droite, là. Ouais. Mais bon, jusque-là, tout va bien. Ma traque de poulet, donc ça, du coup, il faut que je le... Je vais le poser là-dedans. Et la fatigue, on la craint pas, du coup? Eh ben, je sais pas bien. Franchement, c'est pas méga super clair. Moi, je l'ai rencontré beaucoup plus en solo qu'en multi. Pour l'instant, j'ai encore aucun de mes persos qui s'est reposé. Et j'ai eu de problème avec ça, donc... Je peux démonter le joli grand lit. Histoire de faire un peu de bruit. C'est curieux, parce que... Alors, en regardant la télé à certaines heures et sur certaines chaînes, vous avez des trucs de cuisine, enfin... D'accord. Si jamais quelqu'un veut passer la nuit en lisant un livre, moi j'ai deux livres niveau 1. J'ai l'électricité et la mécanique. Attends, je vais essayer de voir la télé, moi. Je sais pas si c'est vraiment utile, mais... Ouais, mais je vais prendre des... Putain, pourquoi est-ce que... je vais laver. Il a mangé tout le chocolat, je crois. J'ai tout vu. C'est pour essayer de baisser ma dépression. Oh putain, ça s'allie à une vitesse. J'ai trop de blessures. Mais on est d'accord qu'au final, lire le livre, ça te fait pas monter de niveau, ça te donne visiblement un multiplicateur. C'est ça. C'est quoi déjà la touche pour faire apparaître la fenêtre que t'as, Geoffroy ? Il y a une émission C'est là, c'est H, je crois. Ok. Ouais, c'est ça. Et une émission de musique, ouais, je vois, j'entends les voix. Cuisine, visiblement. Donc là, c'est bon, j'ai plus trop de poids. Premier secours nécessaire, blessure légère. Bon, il faut vraiment que j'arrive à comprendre. Tiens, caneton. Excuse-moi, je t'avais pas vu. c'est chiant. J'ai un petit truc qui est très bien pour avoir le chat, un overlay qui est très bien pour avoir le chat, mais je le vois pas avec Projet Zomboïde. En fait, Projet Zomboïde se met devant. Donc, du coup, c'est moi, je remarque sur ton stream, Geoffroy, que ce jeu, je vais arrêter d'y jouer. Mettre la température en Fahrenheit, c'est inadmissible. Moi, ma température, elle est pas en Fahrenheit, c'est à toi, c'est, en fait, c'est chacun qui doit le changer. Non, mais toi, regarde, c'est sur ton écran que je le vois qu'il fait 71 degrés Fahrenheit. Ah. Là, tu peux mettre une alarme. Oui, quand vous chopez des montres, faut virer les alarmes. C'est con. Faut pas faire de bruit, bip 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 bip. Ouais, mais vous dites ça pour déconner, c'est vrai en plus. Une poêle à frire par terre, bah, je vais la prendre. Bon, je finirai de lire plus tard. Comment est-ce qu'on change montre digitale? Régler l'alarme. Ah, je peux l'enfiler. Ah, j'ai un réveil maintenant si je veux. Tu peux l'enfiler, d'accord, ça, du coup ça pèse moins lourd. Bon, j'ai une aiguille et du fil, mais je comprends pas. Il me dit j'ai premier secours nécessaire. Mais je sais pas quoi, comment. C'est qui a besoin de premier soin? C'est moi, c'est Galen. Celui qui est plein de sang là. C'est pas faux. Ah ouais, j'ai vraiment une sale tronche. Ouais, effectivement, ta barre de vie est plus terrible. Ma barre de vie est pas géniale. Hein. Blessure bandée, non, c'est bon. C'est, Bah ouais, mais tu vois, il me met l'indicateur blessure légère, premier secours nécessaire. Et état général du sort du corps, blessure modérée. Ouais, mais ça c'est normal. Il est blessé, maintenant faut qu'il bouffe pour que ça se régénère. Parce qu'il faut que tu Et il faut que tu changes tes. Sinon,
Il y a un cadavre là par terre, tu peux boire son sang, ça te régénère. Ah. Oui, par contre, t'es peut-être malade, effectivement. Peut-être que, en fait, ta barre de vie, elle va descendre petit à petit, et puis quand elle arrive à zéro, tu crèves et t'es... Et tu deviens... Attends, je vais essayer de cuire un... Est-ce qu'il y a une casserole quelque part? Je vais essayer de faire un... Il y a un bouillon cube. Ouais, il y a du riz. Il y a du riz. Ouais, il y a une poêle vide, poêle à frire. Oh putain, il y a une matraque de flic cassée. Oui, je sais, c'était ma mienne. Ah, c'était ta tienne. Marmite, bah voilà, très bien. Je vais mettre... Peut-être placer dehors sur le sol pour collecter de l'eau de pluie, la marmite. Il y a les premiers secours, là. Bon. Ah, on peut faire bouillir de l'eau. Ah oui, c'est vrai qu'on peut... Alors... Si vous faites à bouffer, moi j'ai faim, donc... J'essaye... Attends, je suis en train de remplir la marmite d'eau. Bon, en attendant, je vais lire un livre sur les premiers secours. Et... Sinon, je vous laisse tout mon stuff et je me laisse... Comment on fait pour faire chauffer de l'eau, là? Ah, en fait, t'es obligé d'utiliser le four, j'ai l'impression. Ah, c'est dans le four? Ouais. Déjà, la montre, c'est efficace. Et qui pilote? Qui pilote? Personne pilote. Pour l'instant, on n'a pas de voiture. Pour l'instant, on essaie d'arriver à comprendre pourquoi est-ce que je suis en train de mourir. Dépose dans le conteneur. Bah parce que t'es contaminé par le virus. Je suis contaminé par le virus. Donc ça ne peut aller que en s'aggravant. Oui. Normalement, il y a sa vie qui va baisser petit à petit. Et puis, quand il arrive, il va s'en sortir. Moi, je commence à m'ennuyer. Mais ça encore, c'est rien. J'ai besoin de contact humain. Putain, j'ai 4 gens avec moi. Il me dit que j'ai besoin de contact humain. Non, mais il se fout de ma gueule. Là, il faut peut-être te parler. Moi, je vais équiper un boxer à rayures rouges. Parce que pourquoi pas. Ah, d'accord. Alors, en fait, si jamais vous voulez faire cuire du riz, il faut remplir la marmite d'eau et après faire clic droit sur le riz pour. Comment dire? Attends. Non. Attends. Annule. En fait, c'est sur les éléments qu'il faut cliquer. Je mets du sel comme assaisonnement. Putain, je peux mettre du sel. Trop bien. Ah non, mais y a, tu peux, quand t'as des trucs, tu peux faire des recettes de malade. Mais il faut avoir tous les trucs. D'accord, donc en fait, il faudrait... Ouais, en fait, il faudrait que j'ai le bœuf nourri pour en fait augmenter ma résistance à la maladie. C'est ça? Non, mais tu vas mourir. Je suis moyen de le magazine de métallurgie, ça t'apprend des recettes, ça t'augmente pas ta compétence en métallurgie. D'accord. Ah, il y a un tire-bouchon. Tu peux fabriquer des murs en métal et un toit en métal. Oui. Et je confirme qu'il y a quelqu'un qui tape à la porte déjà et que. Ah, il faut mettre. Il y a le four à micro-ondes qui a fait ding là. Ouais, je sais, je m'en occupe. Il faut mettre dans le four pour faire cuire. Non, c'est pas cette porte là, c'est l'autre. Ah, c'est la même que tout à l'heure peut-être. Quand j'ai refermé derrière. Bah oui, si tu tapes à la porte. Là, j'y vois rien. C'est en train de brûler, Nico. Mais je m'en occupe. Mec. En même temps, c'était arrêté de croucher tout le temps. Ouais, je confirme, il est là. Ouais, elle est fermée, cette porte. Non, mais c'est bon, elle est ouverte. D'accord. C'est bon. Y a plus de bruit. Pourquoi j'ai mangé le machin? Bon, d'accord. Je pose par terre, pas versé par terre. Hop, voilà, il y a du riz, j'en ai mangé un quart, vous pouvez vous faire plaisir. Il faut le prendre d'abord. Attends, je vais le prendre. Ouais. Qu'est-ce que je fais? Vas-y. Après, je tenterai avec un bouillon, on verra bien. Alors, il est où? Je vois pas. J'ai fait prendre. Il l'a pris. Hein. Riz ah, c'est là. Cuit. C'est là. Voilà. Manger, je vais manger un quart aussi. Tiens, en attendant, je vais lire. Hop. Hop. Contre la déprime aussi, des bons plats, ça. Je vais poser par terre. Ouais, il y a des plats qui te filent de la dépression. Notamment, manger un rat crevé, ça te file 99 de dépression. Ah non, sinon, c'est l'eau de Javel qui te file 90 de dépression. Un deck. Boire de l'eau de Javel? Ouais.
ça t'enlève 5 de soif, mais ça te fait 4 points de dépression. Je fais quoi avec le riz, moi? Alors, en fait, il faut d'abord le prendre et ensuite tu en manges. Tu fais clic droit, manger un quart. Et après, vous me rendez. Si la poêle a pas disparu, vous me la rendez, je peux en refaire encore. Ok, posé au sol. Le riz cru, c'est plus 40 de dépression. Hey. Ah, je suis plus que triste et inquiet. Ça s'améliore. Ouais, t'as perdu un truc. Mais ça va. Il y a une tache de sang par terre. Mangez tout. Ouais, tu peux tout manger. T'es le dernier. Toujours le dernier. Marmite vide. Hop. Ouais, vas-y, pose-la par terre et je m'en occupe. Posez par terre. Ça, c'est du travail de sitcom. J'attends un peu, je vais attendre mon niveau 2 en lisant le livre dans 40 secondes, je pense. Oui, une tache de sang par terre. C'est Kelden qui se vide de son sang. T'es chiant, t'es pas tout seul à vivre ici. Tu pourrais nettoyer derrière toi. Ouais, si je veux. Dixit, alors qu'il y a deux cadavres dans le hall d'entrée. Faudrait se choper des sacs à dos aussi. Ouais. Moi j'en ai un, Sam aussi. J'en ai un, moi c'est pour ça. C'est ultra pratique ce truc. Ah bah sans deck. Sac de randonnée. 5h30, c'est bientôt la fin de la nuit. Je propose juste qu'on aille à... Blessure sévère. Enfin, que je finisse de mon riz et après on y va. Ouais, ça s'éclaircit dehors. Moi je vous propose que je vais vous lâcher tout mon stuff. Et mais t'es pas encore mort, hein. Non, mais le truc, c'est que comme tôt ou tard, je vais être mort et que ça m'emmerde de devoir gérer en permanence tous mes trucs tout pourris. Surtout, le problème, c'est que s'il meurt à un moment où c'est vraiment pas le moment, on risque de perdre son cadavre. Il y a le temps. Hein. Okay. Commence à s'ennuyer. Mais comment tu peux dire je m'ennuie dans une apocalypse zombie, quoi? Non, je veux dire... C'est pas faux. Si vous trouvez un lecteur CD, bah j'ai un CD. Je peux pour écouter de la musique. J'ai bientôt fini le bouquin. Lire des livres, je crois que ça passe l'ennui aussi. Ouais, ouais. Oui, ça passe l'ennui, ça abaisse l'ennui et la dépression. Bah là, le livre de cuisine, ça lui abaisse pas l'ennui, ça le fait chier. Là, tu peux venir. Ah oui, non, venir... c'est normal, c'est un manuel. Tu peux venir te poser livre. Devant la télé, ça baisse l'ennui aussi. Les livres qui n'ont aucune. C'est juste marqué livre ou magazine de mots croisés. Ça ne t'apporte rien d'autre que te faire baisser ton stress. Les gars, devant la télé, il y a une émission de télé, ça fait monter la compétence cuisine. Ah putain, attends. Hyper vite. Ah ouais? Ah ouais, je suis déjà presque niveau 1 alors que... Comment on voit... Ah oui, t'as... Putain, en effet. Où c'est les compétences? C'est H... Le voilà. Petit cœur. Plus 1 cuisine. Ah oui, d'accord. Putain, la vache. Et talent. Ouais, moi aussi, je viens de prendre plus 1 cuisine. Putain. Ah mais oui, en plus, je viens de lire le livre, donc du coup, je viens de passer niveau 4 en cuisine. GG. Moi, j'ai le niveau 2 qui commence à monter là. Bon, je vais foutre là-dedans. Moi, ça marche pas. Y'a rien qui monte. Ouais, elle est peut-être finie la mission. Oui, elle est finie. Voilà, j'arrive toujours trop tard. Putain, ah, je suis niveau 4 en cuisine, les gars, ça va dépoper. Je vous fais des petits trucs là. Je fous tout. Tu n'as toujours que du riz et du sel à ta disposition. Mais... Ouais, mais ce sera un super riz. Il n'y a plus d'eau ou quoi? J'ai des conserves de chicken carne, spaghetti bolognese, des conserves. Putain, il y a quelqu'un tomates. Qui a posé une conserve devant le fou. Conserve vide au sol là. C'est moi. Il me reste conserve de petits pois, salade de fruits, soupe, spaghetti bolognese, thon et deux conserves de haricots. Je vais me petit suicider. Ah. J'arrive pas à. Je fous tout cliquer sur l'évier. Comment tu. Gaiden, t'as du moment, hein. Ouais, mais. Avant de crever. Le problème, c'est que tôt ou tard, de toute façon, je vais crever. Donc, tant qu'à faire, oui. Autant essayer d'avoir un perso qui ne crève pas. De toute façon, dans ce jeu, tôt ou tard, tu vas finir par crever. Mais non. Je pense que ça, il faut s'y faire, se faire l'idée. Bon. Putain, préparez sous. Arrête là. Arrête de bouger. Mais non, restez dedans.
Ah mais t'as mis ton tout ton stuff, d'accord. Voilà. Bla 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 bla. C'est moi. Eh oh, par ici. Qu'est-ce que tu fous avec trois trousseaux de clés? Bah si, ça peut servir. Hein. T'avais un gilet pare-balles de flic, c'est bien ça. Ouais. Mais ça a pas suffi. Bon, je vais me faire tuer au milieu de la rue. Adieu moi. Voilà, c'est moche. Coucou le signe. Ah c'est pas faux, il y a tout transféré. Tout pareil, coucou le signe. Ouais, je suis résistant, Moltenel. Bon, plus trop, mais... De moins en moins. De moins en moins, quand même. Et ils sont très très rouges, t'es très sur le côté. Ah, ça y est. Tu t'es relevé vite. Hein. Je suis relevé, t'as vu. Eh, 32 zombies tués. 2 jours, 23 heures. Pas mal. Bon. Alors, bah du coup, il faut que je refasse un menuisier. Parce que... Pourquoi je peux pas... J'aime bien les menuisiers, de toute façon. Menuisine de calope. Bon, je crois que j'ai... Bon, je crois que j'ai fait de la merde avec mon truc de riz. Mais non. Aucune chance. Je peux plus le manger. Un beau moustachu avec une belle chemise de bûcheron. Allez. Bon. Boire. Maintenant, si je tombe malade. Il me reste juste à vous rejoindre. Je suis où je suis. Je suis pas loin. Bon, ça va, t'es pas trop loin. Ouais, je suis pas loin. En plus, il fait jour. T'as vu ça? Non mais il a toujours faim mon personnage, c'est pas possible. Ouais, et si tu fais de la bouffe mais que tu bouffes pas. Stylo, hop. La menuiserie 1. Yes. Bah tu t'en fous, t'es déjà niveau 1. C'est pas faux. T'es même déjà niveau 3 en menuiserie. Qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris le sac mais je sais pas ce qu'il y a dedans en fait. Il y a beaucoup de choses dedans. Allez, d'accord, en fait ah oui, c'est vrai que t'es cambrioleur, Little P. C'est Ah, sac de transport, cash. C'est bon ça. Deux trous de premier secours. Putain, il est... On n'avait pas exploré cette baraque. Elle est bonne, cette baraque. La vache. Parapluie. Ampoule. Veste. Allez, enfilée. Fromage fort. Allez, on bouge. Je peux plus mettre le riz. Pourquoi? Ah, mais attends, je sais pourquoi. Est-ce qu'il n'y en a plus? Voilà. En fait, si tu veux mettre un truc dans le four, il faut que tu mettes le minuteur en route. Eh oui. Bah oui. Le four est techniquement allumé, c'est juste qu'il n'y a pas de minuteur, quoi. Drap, ça c'est bien. Serviette de toilette, c'est bien aussi. Qui est sorti en laissant la porte ouverte? C'est moi. Je voulais aller taper le cadavre de Joe, mais il est déjà parti trop loin. Bon, je vous rejoins. Fais gaffe, il y a un peu de monde sur la route. Enfin, j'essaye. Ouais. J'ai 12 reins, moi. Je vais essayer de repartir un peu vers la forêt. Moi aussi, j'ai super faim, je comprends pas. J'arrête pas de bouffer et à tout le temps faim. T'es sûr que tu bouffes? Ah oui. C'est bizarre comme. Bah, il faut tout manger, hein. Le truc de manger un quart. Non, mais. Et le problème, c'est qu'il y a un mec qui est déjà derrière moi pour bouffer ce que je vais cuisiner, quoi. Non, non, t'es gentil, moi je m'ouvre mes propres boîtes de conserve que je mange tout seul dans mon coin. Hop. Et je laisse les boîtes de conserve par terre. C'est bon, j'ai plus faim. Je suis parti en exploration plein est, moi. Plein est? Donc de nouveau dans la forêt? Ouais, ouais. D'accord. Je vais voir. Et puis après, je reviens. Moi, je vais essayer de rejoindre Joe qui se tape pas les zombies tout seul. Non, mais c'est bon, je suis là où vous étiez, non? Pas encore, donc je te vois pas, moi. Quasi. Je vais me faire ton cadavre, déjà. D'accord. Ah non, vous étiez là. T'es bon, t'es mort. Je suis remort, oh là là. Mais cette fois-ci, t'es remort pour de vrai. Ah, je l'ai pas mise, la veste. Ah, putain. Bon, c'est quoi? Un autre. Alors, qu'est-ce que je fais? Tu sors. C'est-à-dire? Bah, je sais pas, je suis sorti, je suis tout seul de la maison, donc je sais pas. Ah, t'es parti au sud? Moi, je suis parti au nord rejoindre Joe pour qu'il soit pas tout seul. D'accord.
Moi, je suis parti plein est sur le petit chemin où voilà. on était. Donc, comme dans tous les films d'horreur, on s'est déjà tous séparés, c'est bien. C'est bien. Bon, bah, je vais au sud alors. T'es où, Joe, là? Je vais arriver. Je suis peut-être parti trop loin alors, du coup. Je suis peut-être remonté trop au nord. Ah, tiens, je te vois, ouais. Hey, attention, il y a du monde qui oui, arrive. Oui, je sais. Ah, ouais, j'ai fait en sorte de couper la. Et t'as rien du tout sur toi? Comme arme? Non, j'ai rien sur moi. Tiens, attends. Je t'ai. Attends, gaffe derrière toi. Non, mais je te pose un couteau par terre, hop, vas-y. Ah, je suis au lac là où t'étais. Ouais. J'ai pas fait le tour. Hein. Hop. Mais quand tu regardes la carte, en fait, il te montre direct tout le tour du lac et. Il y a dû y avoir quelqu'un. Mais Joe, ouais, arrête d'utiliser ton arme pour les achever au sol. Oh, tu niques tes armes en faisant ça. Chaussures dessus. Tu niques tes chaussures aussi quand tu donnes des coups de pierre. Ouais, globalement, c'est plus facile de trouver des chaussures sur les cadavres que tu viens de tuer. Longue veste en que cuir. De. Attention! Oula putain! J'ai cru que c'était toi. C'est bon. Donc, j'avais dit longue veste en cuir en fil. Tu vas avoir chaud, toi. Ouais, mais je serais mieux protégé. Ça, c'était moi. C'était mon ancien moi. Celle qui est toute seule au milieu de la rue, oui. C'est ça. Donc du coup, Little Pete, t'as tout piqué ce que j'avais laissé, c'est ça? Non, il reste encore deux trucs. Non, j'ai pris que le sac, mais je... Moi, j'ai pris ton trousseau de clés et les médicaments, je crois. Mais je sais pas ce qu'il y a dans le sac, en fait. J'arrive pas à l'ouvrir. Il faut l'enfiler. Il faut que tu l'enfiles sur ton dos. Il l'est sur mon dos. Bah, du coup, tu dois avoir un contenant en plus dans ton inventaire. En dessous de tes clés. Bon. Là, j'ai beaucoup trop de choses. Petite blessure. Pourquoi j'ai une petite blessure? C'est quoi ce bordel? Non, c'est trop chargé. Oh putain! C'est ce qui était beaucoup trop chargé, Joe. Il faut que t'enfiles tout ça. Le problème, c'est que t'as tout pris, mais t'as rien enfilé. Oui. Donc, porté sur le dos. Tu mets plein de trucs dedans parce que c'est un quad blessé, justement, d'être trop chargé. C'est ce que je vois. Et moi j'ai failli me tuer en faisant des pompes, il pose tout, il déséquipe tout ce que t'as d'équipé sur ton dos. Et je me suis retrouvé avec tout mon sac à dos et tout le poids de mon sac à dos sur le dos. J'ai failli crever en faisant une pompe. C'est débile. Bon, sachez que du coup le micro-ondes c'est l'inverse. Évidemment il faut mettre l'ingrédient avant d'allumer le four. Bobine de fil. Ça je m'en fous. Tac. Chaussures de sport. Drap. Tac. Chaussures. Hop. Enfiler ça. Ah si, attends, la poêle, je vais l'équiper. Qu'est-ce qui vaut mieux? Non, écoute. Putain, j'ai un trappeur niveau 3 et un électricité niveau 5, là. Vous êtes où, là, du coup? Je suis dans la maison où on a passé la nuit. Moi, je suis dans la maison en face. Moi, je suis une maison juste au sud. Je suis fait décongeler des petits trucs. Il est super RP, hein, Nico. Non, mais t'es obligé de te congeler si tu veux bouffer. Moi, si vous prenez plein sud, je suis plein sud. Life and Living TV. Ah bah, normalement, tu ouais, devrais... Ouais, c'est celle-là qu'il faut regarder pour des recettes et des... Bah, j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand-chose en ce moment. Mais... Hop. Moi aussi, je suis plein sud, donc je sais pas où t'es. Sinon, on peut se mettre des VHS. Ah, il faut que je fasse le coup chaud épisode 7. Entraînement. Ah, mais sinon, il y a des les VHS, ça peut permettre de s'entraîner aussi. Oui. D'accord.
insérer une VHS. Oula. Oh, j'ai entendu un coup de feu. Moi aussi. Alors, il y a... Quel est le con qui a joué, qui a filé une... un fusil de chasse à un zombie? Peut y avoir des joueurs non-zombies? Non. Non, enfin, non, non, c'est un serveur... C'est un serveur non, non, mais je veux dire de, des PNJ. Non. Ça m'étonnerait. Mais il peut y avoir l'hélicoptère. Un hélicoptère? Ouais. Bon, du coup, vous êtes partis où, les gens? Moi, je suis en train de regarder la télé dans la maison d'en face. Putain, moi, je suis plein dans sud. Dans la maison à l'ouest. Enfin, dans la rue en face, là. Merde, on a pas dit... Ah, si, ça y est, ça commence à monter. Ah! Merde, merde. Ah. Oh, putain de zombie. J'ai chaud. Forcément. Peut-être un VHS Dead Wong. Évidemment, moi, j'ai un truc... Peut-être un peu trop de... Maman. T'es dans cette maison là, Sam? Oui. Ouais. Non, la porte est fermée, il faut rentrer par la fenêtre. Non, pas celle-là, celle de gauche. Je vais retirer le verre. Le coup de pied, c'est comment déjà? Espace, je crois. Espace, ça te permet de pousser quand, t'as quelqu'un en face. Et quand t'es sur quelqu'un, tu mets des pains, des coups de pied. Bon, donc j'ai gagné un niveau de cuisine. Alors l'autre... Putain, je suis sur la même télé et... L'autre cassette, qu'est-ce qu'elle fait? Conserve de soupe champignon. Retirer. Chier, putain. T'es blessé? Attends, je suis fait mort. C'est un entraînement? Ouais, je me suis fait mordre. Les cassettes, ouais, ça te fait monter... Ah, mais tu vas mourir, alors? Ouais, il y a des chances. Si, c'est pas toujours, hein, Sam. Tu peux quoi? Est-ce que tu peux m'ouvrir ces deux boîtes, s'il te plaît? Je les mets par terre. Attends, j'aurais pu... je vais te les transférer. Hop. Vous savez que les bandages sales, vous pouvez les laver? Oui. Vous pouvez vous laver, oui. Tout ça. Qu'est-ce que je suis en train d'apprendre, là? Je vois pas ce que je suis en train d'apprendre, là. T'apprends pas forcément des trucs, hein. Des fois... D'accord. Ah, il faut sortir. Tu regardes la télé pour rien. Là, je vois pas trop. D'accord, là, attends. Là, j'ai l'impression que j'ai rien qui monte, donc... Il faut que je sorte les trucs du sac avant de les changer. Les textes, c'est n'importe quoi. Donc... Ouais. Ça j'ai l'ennui qui baisse. Oui, c'est ça fait baisser l'ennui, mais c'est tout, quoi. Hop. Faut changer les chaînes, si vous voulez. Merde. Je l'ai fait ou pas? Oui, c'est bon. C'est bon. Alors, le conserve de sardines, tu peux l'ouvrir tout seul. Hein. Ah merde. C'est les conserves rondes que tu peux, que t'es obligé de. Ok. Est-ce que tu veux pas t'asseoir sur le canapé? Oui, ça je trouve ça assez dommage. Ok. J'ai ma menuiserie qui est commencé, ouais, à monter. Ouais, moi aussi. Ah mais ça doit être l'émission qui est en cours. Oui, parce que j'ai arrêté la cassette, mais... Ah merde, j'ai... Ah, moi aussi, la cassette, c'est fini, et du coup, je suis sur... Moi, je suis sur qui monte. Life and Living, et du coup, je viens de passer menuiserie niveau 1. Là. Je te jure. Ah, je suis en train de même monter mon niveau 2. Pareil, plus en menuiserie. Les mecs, ils sont comme des oufs, ils regardent la télé, quoi. Qu'est-ce mais que vous faites pendant l'apocalypse zombie? Ah, moi je regarde la télé pour apprendre à la menuiserie. Je vois leur chasse et pêche. Ouais. Mais c'est surtout que... Tu t'en sors, Lilpi, ou pas? Ouais, là je suis dans des bombilhommes. D'accord. Ouais, heureusement qu'il y en a un qui fait le jeu, quoi. Allez, tu fais quoi dans la vie? Jouer aux jeux vidéo? Pourquoi faire? Pour regarder la télé. C'est ça. Comme ça, mon personnage il sera super doué en menuiserie. Mais tu voudrais pas apprendre la menuiserie pour toi? Mais non, ça sert à rien. Ah, ça y est, l'émission est finie. Bon. Ah, moi aussi. Waouh, il y a plein de trucs. Bah, a priori, j'imagine que c'est la même. J'imagine que ça doit être dans pseudo temps réel. Oui, si on allait faire un petit point de toilette. J'ai trouvé un grave de conserve. Alors, remplir les bouteilles d'eau. Se laver soi-même. J'ai même du savon, même, je crois. Histoire de faire ça encore mieux.
Alors, en fait, ça diminue juste le temps. Oui, mais comme j'ai plein de choses à laver, hop, utilise un objet secondaire. Là, j'en ai qui sont carrément dégueulasses. Attends, je vais laver soi-même. Peut-être enlever là. Le truc que je vais peut-être enlever quand même. Moi, je vais essayer de faire un super plat. Ah, mais j'ai encore une blessure, moi. Enlever le bandage. Normalement, quand on a un sac à dos, quand on clique sur un objet, il te dit tu peux le mettre sur le sac à dos. J'ai enlevé mon bandage, je n'en ai plus besoin. Je vais enlever la longue veste en cuir. Ah, mais il y avait grave de trucs sur dans ce sac à dos, en fait. Ah oui, c'est ce qu'il t'a dit, il était chargé. Hop, ouais. Bon, je vais essayer de te rejoindre, Little P. Où est-ce que tu es? Plein sud par rapport à la position. Alors, si tu regardes ma carte. Attends. Il faut que je me mette en dehors du jeu. On peut faire la balançoire ou pas? Elle est où ta carte? Parce que là, je la vois pas. Vas-y. Là, elle est. Ouais, il faut que vous preniez bien plein sud, bien plein sud. Là, sur la grande route, là. Sur la grande route, là? Ouais. Ok. Et il va. Tu vois, sur ta droite, là, il y a le bout du lac. Bah, j'ai pris plein sud après sur le lac. Ah là. Et après, j'ai tourné sur la gauche. Et donc, de la grande route, mais il y a les grades zombies, peut-être en prenant par la petite route, vous allez tomber sur des mobilhommes. Et je suis dans un de ces mobilhommes-là. D'accord. Ah non, c'est pas là où il y a la. Non, c'est un peu plus bas. Ouais, non, mais ça, c'en est un que j'avais exploré. Il y a pas mal de trucs. Puisque j'ai mis la. Comme j'ai mis la. Et Nico, il est où? Nico, je sais pas. Enfin, je suis pas trop loin. L'autre Nico. Il y a de l'argent. C'est censé servir à quelque chose, l'argent. Ici, il y a du matos dans cette. Je vais me trouver une carte de crédit, mais pareil, ça sert à rien non plus. Dans cette. Ah, il y en a peut-être moins. Qui est parti? On était déjà repassé. Comment ça, qui est parti? Peut-être malgré. Il y a eu un bruit de déconnexion là. Ah. J'ai faim, moi, de nouveau. Bon, j'ai de moins en moins de conserves, moi. T'avais de la clé anglaise ou pas? Non, pas sur ce perso. Regarde s'il n'y avait pas sur dans le sac. Bon alors, on se retrouve où? J'ai fini. T'as fini de regarder la télé. On est aussi. Regarde la carte, Nico. Attends, je regarde où je suis. Bah, je suis juste à côté de toi. Tu vois la maison à gauche là? Bah, celui-là, je suis dans cette maison. Okay. Bah, je te vois. Ah, je vois quelqu'un. Voilà. Sam, c'est monté là. Il y a plein de bouffe là-dedans si jamais vous voulez en prendre plus. Ouais, peut-être que je me recharge un peu en conserve parce que j'ai un peu diminué. Là. Il est chaud, moi. Ah mais en même temps j'ai plus beaucoup de place dans mon sac, faut que j'arrête aussi. Moi j'ai pas de sac. Le problème c'est que moi j'ai chaud et donc j'ai une veste en cuir mais je vais éviter de l'équiper là. Et Little P il est à côté du lac, c'est ça? Non. Il est plus loin. Ah. Et t'es mort ou t'es pas mort? J'ai toujours en vie. Je sais pas du tout où est-ce que je vais moi. T'as dit qu'il fallait qu'on prenne au sud des lotissements? Ouais. Ou au sud du lac? Ah. Là, il n'y a pas grand chose là où je suis. Ah, il avait dit qu'il fallait aller loin au sud. D'accord, bah, je vais loin au sud. Il n'y a rien. J'ai chaud. Vous êtes sur la petite route là? Ouais. Ouais, c'est là. Moi, je suis sur cette route là, ouais. Et jusqu'à présent, là, là, y a un virage et j'ai toujours rien trouvé. Ah merde, j'ai plus de montre. Je pensais que j'en avais une. Il est foutu. Oui, là, y a plus rien là où je suis. Après, c'est la forêt. Ou sinon, faut que je tourne. Putain de salope, elle m'a encore mordu, elle. Ah. Bon, on s'est toujours pas trouvé de maison pour s'installer définitivement. On est quand même pas très très bon. Encore un peu trop proche. T'as tourné ou pas Little P. Quoi? Non, j'ai continué tout droit. Il y a un espèce de petit bout de chemin. Ah. Non mais ça c'est... Ouais. Little non, je suis là.
Arrête-toi, Sam, ils sont beaucoup plus hauts. J'ai vu. Fais gaffe, il y a un zombie qui me suit. Je remonte. Ah bah, je viens de mourir. Ah merde. Tu veux dire qu'il faut que cool, je te retrouve. Cool, il y a un corps à loot. J'arrive. Il est bien loot. Il y a un corps à tuer avant. Bim. Voilà. Yes, je vais pouvoir loot tout son cadavre. Allez, tu veux pouvoir avoir un sac à dos, toi. Prends le sac. Tu auras fait 3 persos. Et je t'ai trouvé juste au bon moment, Little P. Ouais. Alors attends, je vais prendre quoi cette fois? Carte de Louisville, tiens. Et une montre. Oh là, c'est quoi ce bordel? Pourquoi t'as des cigarettes dans ton sac? Bah pourquoi pas. Oula, il y a du monde là. Si on continue sur le virage, effectivement, il y a des mobilhomes, mais il y a plein de monde. Dont un ou une qui a une pochette ou une sacoche. Tu les fous de par terre, les clopes, Nico? Bah, j'en ai pas besoin, je m'en fous. Hein. Bah, si, pour faire baisser le stress, ça peut servir. Mais j'ai pas envie de devenir. Moi, je préfère lire des bouquins que fumer des cigarettes. Hein. En plus, fumer des cigarettes, t'as besoin d'un briquet. Ou d'allumettes qui sont quand même des ressources un peu rares. Donc. Oh, vitamine, c'est bien ça. Oh putain, t'avais une quantité de conserve. Vache. Ouais. Tiens. Ah bah, c'est pas, il faut bouffer. Hein. Un pistolet. Ouais, mais le pistolet évite, hein, du coup. Ouais. Allez, toi tu m'as vu, c'est bien, c'est nickel, c'est exactement toi qui as la sacoche en plus. Merde, ils sont deux. Très bien. Je vais faire un bûcheron gracieux. Ah. Bon, je vais essayer de pas me faire tuer. Ah bon, nickel, elle est morte. Ah, merde! Ah. Je me suis fait mordre. Comment on fait pour mettre directement dans le sac? Eh ben, j'ai pas chier. Trop trouvé. Alors, cartable. Merde, j'ai tué une écolière. Sauvage. Alors, qu'est-ce que t'as dans ton cartable, ma petite? Utilise un objet secondaire. Merde, je suis blessé. Il y avait rien dans ton cartable. C'est pour ça, quoi. Je me suis blessé pour rien. Alors, du coup, désinfecter. Hop, et pansement. T'étais où? T'étais après le virage, Nico? Sam, je suis juste dans le virage. Ah, d'accord. Bon, c'est bon. Ça avait pas l'air d'être trop trop grave. Il y a un cartable là, si quelqu'un veut un sac. Hein. Non, mais c'est bon, là, on a tous les trois. Bah oui, mais les piles, il en a plus, du coup. C'est... Oui, ça dépend où il va pop. Je vais vous dire ça tout de suite une fois que je pop. Est-ce que... Ah oui, d'accord, il y a un peu de monde en effet. Ah d'accord, dans apprentissage, t'as tous les trucs que tu as... Que tu as lu. Ou qui te restent à lire. Putain. Et t'as un paquet quand même. Bidon d'essence vide. Mais j'en ai un aussi, moi, déjà. T'en as un. Après, du coup, peut-être essayer de le remplir en siphonnant. Et, ouais, putain, il y a du monde. Hein. Là où on est. Au niveau des mobiliums, il y a du peuple. Tu devrais marcher en fuite. Tu les as attirés là. Attends, je vais les attirer vers le haut. En fait, je voulais essayer de monter dans la. Ah, c'est bon, il y en a une qui a resté bloquée contre la fourgonnette. Il y en a plus de 3. Ah, putain, il y en a d'autres là-bas, merde. L'autre s'est débloqué. Ouais, non, c'est pas chier. Quand je te dis qu'il y a du monde, il y a du monde. Bah, passe par la forêt et normalement, avec les arbres, ça devrait les ralentir. Et on pourra peut-être les buter un par un comme ça. Attends, ouais. je suis en train d'essayer de te. Non, mais laisse, je vais les semer. Putain, j'ai spawné grave au nord. Ouais, c'est un peu la loose le spawn au nord. Bah, surtout sachant qu'on est tous partis au sud.
Non mais oui, mais même à chaque fois qu'on a spawn au nord, même quand on n'était pas déjà tous au sud, on a tous fait pour, tout pour s'en barrer, parce qu'il y a plein de monde et il n'y a rien à looter. Rien à looter, je pense que... Ah, pour le peu qu'on a exploré, mais disons qu'il y a tellement de monde que tu n'as pas trop trop envie d'explorer, quoi. Bon, j'espère. Et dans une maison qui fait... au bord d'une route qui fait un virage. Alors, c'est vague. Bon. Ah putain. Putain, j'ai chaud et je suis nouveau humide. Faut que j'arrête de courir, moi. J'ai qu'un seul torchon. Le verrou est cassé, merde. Je vais m'enlever ma chemise, je pense, parce que je vais avoir trop chaud. Ouais, moi, c'est mon souci. Désagréablement chaud. Ben, mais enlève ta veste en cuir. Non, c'est le gilet pare-balles, en fait. Les deux. Ouais, sauf que là, du coup, c'est trop lourd. Et t'as un sac à dos pour ça. Oui, hein. Je sais. Ouais, mais moi, j'ai une veste, ma veste en cuir, elle est dans mon sac à dos. Ouais, mais du coup, elle sert à rien. Ben non, mais au moins je l'ai si jamais à un moment il se met. Nico, on arrive à survivre un petit moment et qu'il se met à faire plus frais. Ou en pleine nuit, ou. Nico, tu fais quoi? Oui. Non, pardon. Rossignol. Ouais. Depuis tout à l'heure, j'essaie de faire ce que je peux pour organiser mon inventaire parce que sinon je pouvais pas bouger. Ah oui. Et ça, c'est un autre souci. Oh putain, il y a du monde ici, au niveau des mobilhomes. C'est blindé de peuple. C'est bon. J'ai un peu de... Le noir sur la carte, c'est quoi comme bâtiment? C'est les entrepôts, c'est... Alors attends, je vais dire ça. J'ai une carte. Carte, regardez la carte. En noir, c'est industrie. Ok. T'as une carte? Ouais, mais alors c'est pas une carte d'ici, donc... D'accord. Louisville. Oui. Vas-y, tu peux mettre la carte où t'es, Geoffroy, juste pour voir par où vous êtes parti. Juste au sud, je suis pas loin du tout. J'ai du monde qui arrive. Okay. Je te la ramène dessus, Jo. En plus, c'est sur la carte, comme ça c'est nickel. Comme ça tu verras pas venir. Comment dire? Enfin, ça, ils sont que deux à venir. Bon. Putain. Ouais, t'étais peut-être pas obligé de gueuler non plus. Ah, mais le. C'est chiant ce A là. Mais avant que vous rejoignez, c'est... J'aimerais bien qu'on prenne un. Nickel. Voilà. Voilà. Jean baggy, slip. Ouais, c'est quand même rare qu'il y ait des trucs hyper intéressants. Bon, et si on arrive... Bah, des clés de temps en temps. Et surtout quand t'es à proximité de véhicules, ça peut être intéressant de... Là en bas, il y en a un, faut faire gaffe. Parce que toutes les baraques qui ont des portes ouvertes, elles ont été fouillées. Oh non, pas toutes encore. Eh bien là. Oh non, c'est où je suis allé. Non, mais au nord. Une porte ouverte et... Oh putain. Humide. On est tous humides là. Ouais, non, bah. Ça va, je suis plus humide. Bah, j'ai un lot de torchons dans mon sac dont je me sers pour me sécher. Que je remets dans mon sac dès qu'ils sont secs. Ah, bah, tu le remets dans... Oui, attends, tu prends le torchon et qu'est-ce que tu fais? Tu fais se sécher. Voilà, et le truc c'est que du coup tu te retrouves avec une serviette ou un torchon mouillé dans ton inventaire. Ouais. Que par... Moi je préfère éviter de le mettre dans mon sac quand il est mouillé, j'attends que ça sèche en fait. Non, non, ça fonctionne aussi. Hein. Ça risque pas de moisir? Je suis pour. Je veux bien que ce soit... Ah, il sèche tout seul? Ouais, oui, ça sèche tout seul assez rapidement. Hein. Donc c'est pour ça, moi j'en ai 4 ou 5. Merde, il y a du monde là. J'utilise ceux dont j'ai besoin pour me sécher et dès qu'ils sont. Je les garde dans mon inventaire quand ils sont mouillés, quand ils sont secs, je les remets dans mon sac. Bon, ceux-là ils nous ont pas vus. Ouais, bon, ceci, il y a quand même vraiment zéro baraque hein, par là. Je vais pas dire, mais. Ah, il y a une route, ça doit bien mener quelque part quand même. Oui, à une autre ville. Ils nous ont vus. C'est une route. Une vraie route. Sam. Ah, c'est pas une route en bas. Oui, j'ai vu. J'ai. Ah, fallait que tu te décales pour prendre. Bon, je prends la deuxième. Merde. Ah, bon, c'est quand celle-là est par terre. Ouais, mais l'autre. Ah non, elle est morte. Elle est même morte, l'autre. L'autre m'a mordu. Ah non, elle est pas morte. Ah, elle est pas morte. Je pouvais pas la. Bon, alors je finis celui-là. Voilà, celui-là est fini. Quel acharnement. Ça y est, je l'ai eu. Mais je suis petit saigné. En taille saignement. Non, c'est bon.
J'ai juste qu'il faut pour te désinfecter tout ça. Non, mais je suis juste en taille et saignement. Là, il y a une sorte de truc là de ce côté-là. Oui, il y a une baraque là. Oui, c'est où ça a l'air un gros machin même. Ouais. Ah oui. Ah mais ouais, c'est parce que c'est, oui, c'est des toilettes publiques. Oh putain. C'est pas une baraque, ça c'est des. Ou puis il y a des véhicules qui ont l'air même en presque bon état en tout. Ça a l'air d'être un bon endroit ici. Ah mais c'est un bar. Donc c'est un bon endroit. Et ouais, et c'est un gros truc jaune et il y a rien autour. Non mais rendez-vous au Winchester, c'est ça. Parce que, du coup il y a de l'alcool, il y a peut-être même des cognacs et des trucs d'un genre des alcools forts qui peuvent permettre à désinfecter. Vin blanc, okay. Canette de bière. Alors canette de bière, je crois que c'est pas mal pour la dépression. Ouais. Et des toilettes. Une bouteille de bourbon là. Écoute, moi normalement c'est pas infecté hein, donc, c'est extrêmement calorique. Putain, j'ai nouveau faim, moi. Torchon. Ouais, ça peut permettre de stériliser. Je peux stériliser mes bandages. Imbiber le coton d'alcool. Bon, bah, je vais prendre le bourbon. Hop, allez. Putain, je suis toujours. J'ai de nouveau faim. Chier. Ah, il y a des allumettes là. Hop. Et je crois que j'étais dans la. Je viens d'arriver dans la maison où on était au début. Et un torchon. Jeu de cartes, déchets. Vous êtes où là du coup? Alors oui. On est tout au sud. Dans le. Ouais, ouais. Dans un bâtiment jaune, apparemment. Il y a pas mal de torchons là, hein, s'il y en a qui veulent des trucs pour s'essuyer. Regarde. J'entends un bruit de zombies. Regarde où on est. Ah oui, il était juste à côté de toi. Hein. Putain, si j'étais pas rentré, c'était lui qui te bouffait. T'as pu voir ou pas? Ah, un tournevis. Merci. Qu'est-ce qu'elle foutait en peignoir dans un bar, elle? Bah. Ça s'appelle une prostituée. Oui, mais avec un tournevis dans la main. Je vais accrocher un drap ici. Si, attends, j'ai l'impression qu'il y a un étage, mais. Non, j'ai pas l'impression. Sinon, c'est. Il n'y a pas d'escalier? Peut-être de l'autre côté du bar. Ah, si, d'accord, ils sont là, l'escalier. Okay. Que de billard. Port. Est-ce que t'as vu où on était, Little Pig? Non. Oh, je passe devant une maison médicale. Ah, t'es devant la. Il est possible qu'on l'ait déjà pillé plusieurs fois, celle-là. T'es loin. Ça veut dire que t'es loin. Il y a un lit de camp. Ça veut dire. Il y a un zombie. Ah. Tissu déchiré, serpillière, javel, bâche. Ah, il y a des trucs intéressants là. T'es où? T'es à l'étage, Nico? Oh, j'ai une ouais, scie. C'est bon, je l'ai tué. C'est bon. Scie, duct tape, boîte à outils. Oula! Ah oui, là il y a des trucs intéressants avec une clé anglaise, une clé à molette. Moi j'ai déjà ça dans mon sac. Oui, moi j'avais ça dans mon sac. Moi. Ah, casquette de baseball, ça j'ai pas. Hop, enfilé, visière vers l'arrière. Voilà. Hop, nettoyer le tissu. Donc, oui, il y a la boîte à outils, ça peut être pas mal. Il y a des lits de camp. Le problème c'est que ça manque de fenêtres en fait, mais. C'est bien s'il n'y a pas de fenêtres. Bah, je croyais que pour se préparer des fenêtres. Non, à l'étage, je parle. Ça manque de fenêtres à l'étage. Ah, il en faut que deux. Hein, pour éventuellement s'escape. Et là, il y en a deux. Ouais, c'est vrai. Une à l'opposé ouais. Des deux trucs, donc ça peut être bon. Hein. Ouais, c'est vrai. Bon, bah, du coup, ouais, éventuellement. Ouais. Est-ce que quelqu'un veut un livre de menuiserie? Parce qu'en fait, moi, j'en ai pas besoin. Moi, je veux bien. Moi, je crois que tout à l'heure. Ouais. C'est quoi? C'est un menuiserie de niveau combien? Niveau 1. Parce que. Niveau 1. Ouais, on a déjà monté niveau 1 avec la télé. D'accord, bon, je le pose par terre. Les livres, c'est trop has-been. Moi, j'apprends la menuiserie avec la télé quand même. Ouais, par contre, on n'a pas de télé ici. Oh non. Ouais, mais du coup, c'est vachement pratique. Dans un bar, il n'y a pas de télé. J'en vois pas. Bon, c'est temps, il faut que je fasse un peu le ménage. J'avoue que ça, c'est un peu dommage qu'il n'y ait pas de télé. On peut pas aller chercher une télé, la ramener ici. Moi, j'ai une VHS. Non, il y a un autre truc qui me plaît bof. Je vérifie, mais. Il n'y a rien pour cuire. Ouais. Ouais, donc j'ai trouvé une VHS de cuisine. Du coup, c'est pas terrible pour. Yes, la VHS. Ah, je pète à la lumière. Jour, nuit. Jour, nuit. Jour. Vas-y, attire tous les zombies du coin, c'est bien, c'est une bonne idée. C'est ouf le nombre de détails qu'il y a dans ce jeu. Ah merde, mon sac de randonnée est plein. Et je suis toujours surchargé.
Ah oh, putain, c'est ça pèse lourd la javel. Oui, c'est ça. Moins 62 soif et plus 99 de dépression la javel. bon, tu vas me le remettre avec la serpillère. Ouais, c'est vrai qu'il n'y a pas de. Ouais, non, c'est pas fou du coup. Ouais. Il y a des pièces pour dormir et ouais, tout ça, avec déjà des lits, c'est pas mal. La binouse, mais... c'est bien ceci. Mais pour y vivre, s'il n'y a pas de quoi faire la cuisine ni rien, ça va être chiant. J'ai de la pâté pour chien. Oh bah ça. Je crois que je peux faire un petit ragoût avec ça. Un ragoût de pâté pour chien. Je sais pas s'il y en a qui. Si tout le monde a au moins une bouteille. J'en ai deux. Ouais, d'accord. Moi aussi. Ah mais oui, d'ailleurs, si, il y a un évier quand même, d'accord. Okay. Moi j'en ai pas et quand je vais arriver je vais avoir faim et soif je pense. Alors justement il y a des bouteilles vides l'avantage ici donc tu pourras te désaltérer au stand-up. Tu peux construire des murs, tu peux construire des portes, en fait tu peux construire un truc à partir de rien en fait. Ouais bah c'est l'objectif en fait. Hein. Ouais, tu te construis pas ici, le principal c'est de mettre des protections sur les fenêtres en fait pour éviter que ça... Non mais je veux dire je fais un clic droit mais nulle part et je peux faire des murs. Ah, tu peux construire même une maison de pierre. C'est ça que je voulais dire. Mais... Ouais, il faut pas avoir les recettes après. Il faut avoir les recettes et les ressources aussi, parce que je pense que la quantité de bois et de pierre que ça te réclame... Ah, il y a une forêt, là. Moi, je suis allé sur la route et je pars vers le sud, du coup. Ok. Je suis une autre chargée. Je suis à l'arrière d'un camion, il y a un rectangle vert qui s'affiche. Oui, alors t'appuies sur ça E. Ça me permet de fouiller dans le coffre. Ah, faut appuyer sur E. T'appuies sur E et ensuite, en fait, ça te débloque le... D'accord, le coffre. Le coffre. Et ben, sachez que là, il y avait un truc vachement pratique, une bâche. Mais j'ai pas eu... J'en ai une aussi, j'en ai déjà une de bâche. Ah, bon, très bien, parce que j'ai plus de place. Oh, pneu basique, type résistant. Ça peut servir aussi. Bon, moi, je vais au sud voir ce qu'il y a, s'il n'y a pas une petite maison qui reste. Comme ça, si on reste pas loin du parking, ça peut être cool. Une clé, là. Ah, la clé par terre, en fait. Oui, ça arrive souvent. J'ai un van, là. J'ai un van avec les clés. Est-ce qu'il fonctionne? Eh ben, une fois que t'es dedans, normalement, tu dois avoir un truc qui peut te permettre de regarder son état, mais... Oui, c'est V. Attends, sauf que je suis pas rentré du bon côté. Alors, au sud-sud, Geoffroy, de là où t'es... Hey! Alors il fonctionne, il n'y a plus d'essence. Il n'y a plus beaucoup. Il n'y a plus beaucoup d'essence. Et son état général? Le statut du moteur, il n'est pas allumé et la batterie est verte. Alors. Il faut aller siphonner de l'essence dans les autres voitures. Si elles ont. Il est nickel ce van. Il a l'air en bon état, effectivement. Oh là, je pense que nous avons un gagnant. Faut se casser! Mais on a personne qui sait conduire et on a pas d'essence, mais... Ah, j'ai trouvé un autre bâtiment chelou. Un bâtiment vert pomme. Alors attends. Gas to go. Bah c'est bon, c'est une station service. Nickel. Bah moi je vais essayer de siphonner la... T'as été un bidon d'essence, c'est bon? Ouais, j'ai un bidon d'essence. Utiliser un objet principal. Hop. Prendre des voitures, par contre, c'est pas une super idée. Hein. Comment est-ce que tu fais pour siphonner? C'est bien pour changer de... Mais enfin, déjà, il paraît que c'est pas terrible au niveau de la conduite. Enfin, le jeu est mal foutu. Il paraît. Et ouais. Bon. Hop. Ouais, il y a plein de chewing-gum là où je suis, des ours en gélatine. Hop. Manger un petit ours, hop, manger tout. Ajouter du carburant. Tu te fous de ma gueule? C'est là que je vais ajouter du carburant. Oh, un ATM. Je vais pouvoir le péter et... Écoutez, plein d'argent. Oh, des vitamines, pansements. Ah, voilà. Je vais essayer de conduire. Tu veux pas poser ton sac avant? C'est la nuit. t'es pas confiant, Sam, là? Ah merde, c'est infecté. C'est infecté. Ah, fais chier. Voilà. T'as du désinfectant ou pas? Bah non, j'ai de l'alcool. T'as du bourbon? Bah je vais en prendre. Voilà. Ah ouais, non, j'ai déjà tout pris. Attends, stop, arrête-toi là. Ah.
Hop, inspection médicale. Ça va faire monter mon premier secours. Hop. Désinfecté. Bouteille de bourbon. Ne crie pas, hein. Je vais essayer. Ah merde. Douleur en plus. Ouais. Oh, j'ai les cartes de tout. Douleur et c'est toujours infecté. Immense douleur. Non, non, c'est plus infecté. C'est plus infecté. J'ai les cartes de tout. On est dans quelle région, nous? Je te mets un pansement. C'est bon, c'est bon. Il y a des asticots sur le cadavre. Ah, ça doit se manger, ça. Oui, oui, il y a marqué nourriture. Dépression plus 20, faim moins 1. Ouais. Moins 1. Ça, j'y vois que dalle. Ah bah, là, moi, je vais dormir, moi. Je vais me mettre à l'étage dans un lit de camp et je vais dormir. Il y en a un lit de camp? Il y en a deux ou trois des lits de camp là-haut. Ah. Il y a une baignoire. J'ai récupéré le rideau. Je crois, putain, j'y vois que dalle, sérieux. C'est absolument abusé, j'y vois rien. Ah, il y a des cahuètes. Bah, on est sur quoi, nous? Là, on est à Mulde Road. Je peux pas. Je sais pas. Je... Ah, c'est bon, j'ai la carte de chez nous. Planque sécurisée, barricadée. Tout autour d'ici, ne tirez pas, le bruit les attire. Putain, j'ai même une carte annotée par le jeu. Ah, il y a mon cadavre. Il y en a quelques-unes des comme ça. Et t'es où, toi, exactement? Au niveau de mon ancien cadavre. Non, non, je parlais à Rossignol. Aussi, sud, et dès que t'arrives à un croisement à gauche, et en fait, une station service avec toutes les cartes. Je prends juste Muldro de là où on est. Ouais. On s'en fout du reste. Je vais me niquer. Oui, il y a du monde. Donc, tu dis à droite au croisement? Oui, parce que en dessous il y a du monde, donc j'ai eu à gauche, hein. Gauche, pardon. Droite, c'était dans mon sens de la marche, pardon. À gauche, sauf par rapport à ton écran. J'arrive. Gauche, c'est par rapport à mon écran, ok, donc c'est bien ça. J'arrive pas à allumer, à me m'allonger. Non, non, je peux, moi non plus, il m'avait proposé pas. Je vais m'asseoir par terre, ça va me reposer un peu. Voilà, qu'est-ce qu'il a fait? Merde, j'ai cliqué sur tout prendre comme un connard. Donc. Je prends plein sud et je te roule la carte. Je te roule la carte. Plein est, c'est ça? Regarde où on est. C'est plein sud. C'est le bâtiment vert, c'est ça? Ouais. Okay. On est complètement plein sud. Gazenko. Ouh! Les jolis glitches sur les murs. Les jolis glitches de texture. Ouais, bah tu me rejoins là. C'était quoi? C'était où? C'était là. Je vois pas bien où vous êtes. Là. Là? Ok. Voilà. Toi, c'était que t'avais pris le tournant. Ouais, moi, t'es par là, toi. Ouais, ça, je suis là. Donc, je prends le tournant et après, je prends. Première à gauche. C'est bon, j'arrive. Oh, les magazines de cuisinier. Bah, t'en as plus besoin, toi. Il fait nuit. Bah, si, peut-être pour avoir des recettes. Si, faire une pizza, préparer des biscuits, préparer oui, des pâtes à pain. C'est pour choper des recettes, en fait. Je prends le bonbon en gelée. Morceau de viande séchée. Là, l'étagère devant moi, il y a toutes les cartes. C'est là qu'il y a les cartes? D'accord. Moi, il y a des bandes dessinées. Les cartes de West Point. Et on est où, nous? Nous, on est à Mulde quelque chose, là. Muldro. Muldro. Regardez la carte. Retail and Commerce. Et il y a deux restaurants au juste en haut à gauche. Par contre, il n'y a aucune baraque. Oui, effectivement, par contre, il n'y a plus aucune baraque à ce niveau-là. Là, on n'est plus que sur. On est dans une pure zone industrielle commerciale, là. Ouais. Il y a. Si on remonte un peu à gauche, il y a deux bâtiments industriels noirs. Et si on continue à remonter complètement à gauche, il y a plein de retail and commerce. Genre centre commercial et tout. Il y a un community service. Et effectivement, à part les mobilhomes qu'on a passé, il n'y a plus rien. Ah, si, tout en bas, à droite de la carte. Dans la forêt, apparemment, il y a une clairière avec une maison. Ah bon? Mais vraiment tout en bas de la carte. Le problème, c'est que si c'est trop excentré, ensuite, comme tu dois de toute façon aller... C'est ça, si tu dois retourner te provisionner en quelque chose, on va galérer. Je serais tenté de prendre toutes les cartes, mais je sais pas ce qu'il y a autour. Genre, si c'est quoi ce qu'il y a en dessous de Mulde Road? Je sais pas du tout. Je sais pas, on s'en fout un peu. Je veux dire, la ville est déjà tellement grande que je sais pas si non c'est. Non, mais comme on est à la limite. Il y a un parking et il y a une espèce de grand bâtiment en bois. C'est ça. Ouais, ça doit c'est être ça. Regarde.
C'est là-dedans que vous êtes? La Ouais, porte est ouverte? moi je suis dedans. Ouais, mais je suis suivi par une horde de zombies, moi. Alors, Vous les va-t'en. entendez ou pas? Non. Mais je ne veux pas Je les vais entendre. lire aussi le magazine d'électronique. Ça se lit super vite, les magazines, en fait. Oui, et puis c'est ça, une fois que tu l'as lu, tu peux le reposer, donc... Un gâteau au chocolat! Hop! Imagine les gâteaux au chocolat. Il me suit, il faut que je m'échappe. Hop! J'ai remis dans le stand. Magazine du cuisinier, volume 2. Est-ce que je peux le lire? Bon, apparemment, je peux le lire. Attention, j'ouvre une porte. Attention, il y a Little Pig qui arrive avec plein de zombies au cul. Ah, mais c'est pas grave, on est loin, nous. Démerdez-vous! Carte de Louisville, canette de chips, allumettes. Oh, un roulé suisse. Allez, on va manger ça. Magazine spécial électronique, on va le lire aussi. On va prendre un maximum de recettes. Ah, il y a un bidon d'essence vide, si jamais tu veux. J'en ai déjà un dans mon sac de bidon d'essence vide. Mais je suis déjà quasiment au max de ma capacité de... C'est quoi ta capacité max, toi? Alors, j'ai un sac à dos avec 20 de... porte et moi je suis à 14 en perso. Ah. D'accord. Moi je suis à 12 du coup. Oui, mais c'est parce que je pense que ça fait un petit moment que je joue et du coup j'ai augmenté mon fitness, je suis à 6 en fitness. Donc ça, c'est ça qui joue, je crois, Little P, tu as réussi à te débarrasser un peu de tes. Ouais, je suis en train, j'ai coupé à travers bois et je pense que je les ai largués là. Je vais essayer de rejoindre les autres. Encore des allumettes, un bidon d'essence, viande séchée. Oh merde! C'était un bâtiment qui ressemble à quoi? Merde, une carte de Louisville. C'est un jaune sur la carte, c'est un bar. Non mais attends, sauf que là il en reste deux sur le parking. Ouais, on les a pas vus ceux-là. Non, non, c'est le Little Pit. Parti, Non, non, t'es là. Non, 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 je suis là, j'explore les autres. Vous êtes partis où, les gars? Nous, on est. Tu vois, le camion blanc là, tu vas arriver à un T. Et tu pars vers le, vers l'ouest. J'ai du monde derrière moi. Tu pars vers l'ouest et tu vas arriver. Non, non, on est plus dans le bar maintenant. On est dans la station service qui est un peu plus loin. Il y en a encore d'autres. Ok. Ah oui, fais gaffe, il y a un peu de monde sur la route. Ouais, je vois ça. Bon, en tout cas, c'est clean. Le bâtiment est clean. Bon, nous effectivement, il y a personne dans le bâtiment. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup trop de fenêtres qu'on pourra pas couvrir. Mais. Et puis de toute façon, il y a pas de cuisine. Donc... Ouais, j'ai un van qu'on peut utiliser. Éponge, torchon, sac plastique. Il y a des chips. Je vais piller la caisse. C'est tout. Là, putain. Ce bâtiment que tu vois là à gauche. Il y a du monde partout. Ouais, le gas to go. Il y a du monde partout. Non, pars à gauche et que tu passes par le sud, voilà. Ça passe. Lui, il était pas là tout à l'heure. Lui, il était pas, donc c'est ta faute. Dans le doute, c'est la faute de Geoffroy, donc... Ah, je m'ennuie, je vais lire un petit magazine de mots croisés. Souris morte, Dangereux cru, plus 10 d'ennui, plus 40 de dépression. Oh putain, il y a plein de monde sur le parking, là. Ah mais t'es passé par en haut, du coup? Bah oui, il y avait quelqu'un... D'accord. Allez, rejoins-nous. Vous êtes là? Viens t'amuser avec nous. Ici, c'est cool, il y a des bonbons et des chewing-gums. Ben grave, on prend du gras. C'est bien contre la dépression. Elle est là, la carte. Ah, d'ailleurs, tiens, Éternel. Oui. Regarde la carte que je vais poser par terre. C'est une carte de où on est. Mais à noter, il y a deux trucs importants. Enfin. Oh putain. Alors, il y a deux endroits qu'il a à noter. Carte à noter. Regardez carte. Ah, mais attends, je suis con. Tu regardes les cartes. Est-ce que c'est blanc sécurisé, barricadé? Ça met à jour ta carte, en fait. Oui, je pense que c'est ça, en fait. Le fait de lire une carte, si tu ouvres la tienne après, et est-ce qu'on a les annotations? On est quoi? Il n'y a pas les annotations. On est à Mulroy, nous, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc, une fois qu'on a lu. Donc là, on a toute la carte de dévoilée, et ce qui est en plus clair, c'est les endroits où on a déjà été. Ah oui, c'est ça. C'est ce que j'avais lu. Attendez, je vais mettre les cartes par terre, parce que je les ai toutes prises pour les lire une fois. Oui, c'est ça, une fois que tu les as lues. On est vraiment complètement au sud, quoi. Ah oui, là on peut pas aller plus au sud. Là j'ai pris à gauche, j'arrive sur une intersection en T, je prends à droite ou à gauche? À gauche. Je prends à l'ouest. Ouais. À droite donc. Non, à l'ouest. À gauche. Ah putain. Gauche par rapport à ton écran. Voilà, donc sur ton écran, tu vas sur la voûte à gauche qui monte. C'est tellement plus pratique. Oh bordel.
Moi, je veux ma carte annotée. Excuse-moi, c'est moi qui l'ai ta carte annotée. Je la repose par terre. Parce que du coup, je vais faire la notation aussi. Ok, et c'est un bâtiment vert, c'est ça? Ah oui, tiens, effectivement, c'est pas con. Alors, attends. Non. Regardez la carte. Non, c'est un bâtiment gas to go blanc avec des petits liserés rouges et jaunes. Donc... sur la carte. Ah, c'est... pardon. Sur la carte, c'est un bâtiment vert, exactement. Donc, c'est celle qui est au bout, c'est la troisième, juste en face du bâtiment jaune. Ok. Tiens, je te la repose. Posé par terre et donc sur ma carte à moi. On peut faire vite. C'était celle-là. En fait, c'est surtout la planque sécurisée quoi qui m'intéresse. Oui, c'est ça. C'est celle-là. C'est bon, je l'ai noté sur ma carte. J'ai mis un cercle rouge. Planque sécurisée. Comment on fait? Pour trouver la carte. Ah, tu nous as rejoint, ça y est. Ouais. Et si, non, c'est Payne a dû la récupérer. Ouais, je vais. Il va la reposer par terre. Alors, ouais, attends, si par contre je peux te filer la carte de là où on est, tiens. Il y en a plein par terre des cartes, hein. Oui, c'est celles qui sont là-bas, là. Là, là. Okay. Là où est Galden, t'as toutes les cartes, donc. Tu peux les regarder, une fois qu'elles sont regardées, tu les reposes par terre, et puis c'est. Hop, je vais poser par terre, mais un peu excentré l'autre carte, comme ça hop, vous pouvez voir la notation. Poser par terre. Posé par terre et posé par terre. C'est lesquels qu'il faut prendre? Muldrow. Alors nous c'est Muldrow là où on est. Ouais. Tu après les autres en vrai, regardez, les ai toutes regardées et c'est super voilà. Long. Et alors du coup sur notre carte globale ça représente où? Ouais, des zooms à fond tu vas voir, tu vas être pas être déçu. Ah ouais. Alors il y en a une, ça va. L'autre par contre, moi j'en ai que deux pour l'instant débloqués. J'ai que Riverside et... Ah c'est pour ça, d'accord. Il m'en manquait deux. Marsh Ridge que j'avais pas. Et alors c'est quoi cette histoire de carte annotée? Ah, il y a des zombies qui sont très proches. Rapprochez-vous pas de la vitre. Merde, celle-là je l'ai déjà aussi. Regarde en haut à gauche, Geoffroy. C'est pas moi qui ai fait ça, j'ai chopé la carte comme ça. Ouais. Posé par terre. Posé par terre. Posé par terre. Voilà, c'est tout, il n'y a que ça. Et posé par terre. Et du coup, normalement, je suis censé avoir 5 zones. Ouais, c'est bon, j'ai 5 zones. Okay. Pourquoi? Ah, oui, il y en a une sacrément loin. Pourquoi? Elle a un joli parc au milieu. C'est laquelle qui est. Là, c'est à noter, c'est celle qui est toute seule là. Là où je suis. Ok. De toute façon, ça s'appelle carte à noter. Ah, je commence à m'ennuyer. Ouais, t'as des milliards de magazines. Et si vous allez là-dedans, il y a des magazines pour apprendre à des recettes et tout ça. Il y a ouais, un magazine de cuisine et un magazine d'électronique en apprentissage. Ceci étant, moi je vais pas tarder à m'arrêter parce que j'en ai une qui commence à s'exciter et je me lève tôt demain. C'est sa chienne, hein. N'allez pas croire. Oui, pardon, excusez-moi. Oui, c'est vrai que Golden il est au courant. Elle commence à tourner en rond et à sauter partout là. Donc... Parce que quand il dit comme ça, c'est un peu... Désolé. Non, je peux comprendre. J'avais pas l'idée. Moi, ce que je vous propose, c'est soit on va au sud pour explorer la nouvelle zone, soit il faut remonter si on veut trouver une maison. Parce que le but, ce serait quand même ce soir de trouver une maison. Je repose la carte à noter par terre. Le truc, c'est que de toute façon, là, il est 4h10 du matin. On peut aussi attendre encore 3h que le jour se lève. Ah bah tiens, bon, je vais lire en attendant, tiens. Moi il va vraiment falloir que j'y aille, elle est en train de péter un câble. Pas de soucis. Bon, on te dira où on est. Si je quitte maintenant, mon personnage il va sortir du coup. Je risque pas de me faire bouffer. Non bah tu repoperas ici. Mets-toi dans les chiottes au cas où. C'est ça, mais mon personnage va pas rester là pendant que vous êtes là. Non. Bon, ok. Allez, je me mets dans les chiottes, je ferme la porte. Il fait caca. Attends, j'ai soif. Non, bah tu utilises les autres toilettes, ça c'est mes toilettes. Voilà, bah, je m'enferme dans les toilettes et je vous merde. Là oui, il y a du monde dans le... Allez, bonne soirée. Bisous, ça. Un de ces jours. De toute façon, je veux pas tarder non plus. Hein. Voilà. Tu te calmes, oui. Ah. J'ai toujours mal là où il m'a foutu du... Là où il m'a... Et on est d'accord que quand on meurt, bien évidemment, on perd tous les stats, quoi. Enfin... Ah bah oui. Ah bah oui. Je sais pas, il aurait pu y avoir, comment dire, une... Merde.
une réincarnation et... Bon, bah sinon on peut essayer d'aller chercher la planque. Oh ouais, si tu veux, mais ça va être long. Ah, sinon on essaye la voiture. Ouais, j'ai un van qui est en bon état et je trouve que ce sera assez fun. On va tous mourir. Ouais, et alors... Si tu veux, hein, on peut retourner au van. Qu'est-ce que t'en penses, Little P? Bah, si vous avez de quoi faire fonctionner, si vous voulez. Moi j'ai faim là par contre. Bah, y a plein de bonbons. Il y a plein de trucs à bouffer. Hein. Ah, il va falloir commencer à bouger parce qu'il y en a plein qui. Oui, alors il y a la, une porte juste au les nord. Cartes, je les pose par terre. Ouais, on s'en fout. Hop. Il y a une... là, y a de la viande séchée là où j'étais. Venez là. Là où? La porte ici est ouverte, on peut s'échapper par là. Attends, je vais juste bouffer. Il y a une porte là. Je vais juste bouffer avant de. Oh oh. Ça tape à la porte. Ouais. Déverrouiller la porte. Hop. Allez. Se casse dans la porte, c'est bon. Je dors. Little P, t'es prêt? Moi j'ai déjà sorti par l'autre porte, hein, je crois. Ok. Merde. Little P? Et... Ouais. Oh putain, moi je me casse. Ok. Allez. On retourne au bar. Et on essaie de prendre la... Visiblement, en suivant la grosse route, on a juste allé tout droit. On essaie de prendre le van, ça évite de tourner. Bah, tu prends un van? Ouais, bah je l'ai rempli d'essence. Faudra pas que tu le gardes à côté, hein, parce qu'à mon avis, après on va devoir courir pour semer des milliards Attention, de zombies derrière. Attention, t'as un zombie... Deux même. Je te propose qu'au croisement on se retourne, je crois. Ouais. Ok, bah retourne-toi, de toute façon t'es en avance. Il est où par rapport à moi? Et ils sont loin. D'accord. Genre t'as le temps. C'est pas facile de les... Ça y est, c'est bon. Les deux sont HS. C'est espace hein, pour écraser. Hein. Ouais. Là. Juste là. Est-ce qu'il y a du monde encore sur le parking ou pas? Le nôtre? Ouais. Non. Ah, c'est le van noir là? Le van noir. Ouais. C'est moi qui conduis. On peut rentrer à 3 par contre, je suis pas sûr. Si, si, si. Bah, à l'arrière, je pense. Hop. Non, t'aurais dû aller côté conducteur, je crois. Bah, je suis côté conducteur. Ah putain, c'est un truc anglais, c'est ça? Je sais pas. Quelqu'un a déjà placé ici. On peut rentrer qu'à 2. Attends, démarre pas, je crois qu'il est derrière. T'es où, Little P? Je suis sur le côté, siphonner le carburant. Ah mais non! Mais je pense que c'est que à deux, je crois. Est-ce que tu peux monter? Je peux pas rentrer. Non, je peux pas rentrer. Ah, là, c'est pas grave, je vais... Bon, bah, c'est naze. Je vais essayer de remonter par la grande route. Non, non, mais c'est... Sinon, toi, Geoffroy, pour le stream, prends le truc et avec Little P, nous, on monte à pied. Ça roule. Comme ça, on te voit mourir en direct. Alors, attends, Little P, on prend la grande route qui est tout à gauche et on remonte, c'est ça? Ouais, j'ai bien compris. Ok, non, mais c'était une question. Bref. Oui, je pourrais. Allez, changer de siège, sortir du véhicule. Faut que je prenne de l'eau, j'ai soif, là. Je vais brûler le portière. Ah, j'ai plus d'eau, merde. Bon, il faudra qu'on s'arrête. Attends, mais sinon, là, juste au-dessus, on va au bar, là.
Ah ouais, je vais remplir ma bouteille. Attends, on marche, il y a personne. Ah non, merde. Par contre, faut faire gaffe, le bruit du moteur, ça va attirer les zombies. De toute façon, on sera vite parti. Moi, j'aime bien l'animation du... Oh. Du van, du fluide. Pourtant, il y avait une porte. Il y avait une porte à l'arrière du van, hein. J'aurais dû pouvoir rentrer dedans, logiquement. Boum. Alors, t'amuses pas trop à dégommer des zombies. Ça, parce que ça abîme pas mal les... Oh là là. Ouais, je me doute que ça abîme. Putain, il y a du monde. La vache. Ouais, franchement, quand tu vas tout droit, ça va. Bim. Oh là là. Alors nous, on va plein ouest, là. Sinon, on peut remonter au nord sur cette route-là. Et on prendra à gauche un moment, quand tu auras des zombies, on prendra à gauche. Sur les gros bâtiments verts, là. Ouais. Qui sont un peu plus hauts. Hop là. Allez, on fait ça. Je sais pas où t'es, Geoffroy. Ouais, je crois que t'es arrivé... Ah oui, d'accord, t'es au T. Je regarde les cartes en même temps, en fait. À la prochaine intersection où tu peux pas aller plus loin, prochain T, faut que tu prennes à droite. Et après, c'est genre la troisième à droite. Là, par contre, maintenant c'est 3ème à droite. Faut que tu prends. Je suis pas sûr que prendre cette route là soit une super idée en fait. Parce qu'il est passé en voiture avec. Bah, du coup, ils ont tous. Là à droite. Ah. Ah putain, je sais pas là, je prends. Attends, là il y en a un devant nous. Pour moi, il y avait pas de truc en T où t'étais. Sinon, si t'es là, ça veut dire que t'es passé. Faudrait que tu regardes la carte en fait. Ouais. Little P, je te suis. Tu veux traverser ou tu veux continuer? Là, je vais traverser la forêt à gauche. Il y a un zombie devant nous, je sais pas, qu'est-ce qu'on fait. Il y en a tellement. Ils sont tellement nombreux. On peut peut-être l'esquiver. Bon. Ce qui est sûr, c'est que la voiture est en un peu moins bon état que tout à l'heure. Est-ce que curieusement. Je pourrais trouver... Putain, il y a un gros couple là, juste... Ouais non, on va couper à gauche. Attends, je regarde par rapport au... Moi, je vais m'équiper ma chemise pour pas me faire griffer par les... Bah, putain, on est loin des trucs verts. Hein. Ouais. Oh putain, et la carte quitte. Ok. Vous avez une hache ou pas? Non. J'ai une scie. Ah, parce que j'ai un perso bûcheron et il est super efficace avec les haches. Et c'est pour ça que t'as une chemise avec carreaux noirs. Ah bah... J'ai fait... Le bon, on dirait. J'ai... Ah, là, remonte, il y a... je vois un bâtiment. Va au nord. Non, non. Ouais, ah, j'ai vu. T-Boys. Voir si un gros tag. Bah, moi aussi. Je veux pas de zombies. Oh, c'est... Bah, ça doit être ça, les bâtiments. Ça, c'est bâtiment noir. Parce qu'en fait, il y a deux petits bâtiments noirs. Ouais, un groupe de zombies devant. C'est des petits bâtiments, ça. Oh là 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 là. Ouais, par rapport à la carte. Regarde la carte. Putain, mais alors les bâtiments verts, c'est quoi? Ça doit être énorme. Ah, la porte est fermée. Ah oui, c'était là. C'était là, je suis à côté. On essaie de checker ces bâtiments ou on continue putain. Ah, fais gaffe, il y a un zombie qui arrive derrière toi. Je sais, je parlais aussi à... Enfin, je parle Little P de... Bon. Quel travail d'équipe. On va essayer l'autre, c'est avec l'étage là. Vas-y. Ah, il y a un zombie qui se lève. Ouais, j'ai vu. Non. Ah, il s'est... Fais gaffe ta jambe. J'arrive pas à le taper. Ah, c'est bon, bon. La planque. Nico? Ouais.
la fameuse planque, c'était laquelle, ouais. Je l'ai pas noté, c'était là. Celle-là, c'est... Non, celle-là, celle-là, là où t'as ta souris, ouais. Ah putain, c'est tout qui est fermé, c'est tout... Bon, on va essayer de trouver une fenêtre. Ah oui, d'accord, c'est barricadé, je vois. Oh, il y a un autre zombie, t'es sur le... à gauche, ouais. Là, sur notre gauche. Ouais, j'ai vu. Ouais, c'est tout petit, hein. Là, il y a des fenêtres, il y a une porte, je vais essayer d'ouvrir la porte. Non, mais... Je laisse ouvrir la fenêtre. Non. Ah, il arrive, le zombie derrière nous a vu. Ah, t'as fait du bruit en... avec la porte. Ouais. Bon. Ouvert. Elle est ouverte la fenêtre, ouais. Yes. Ah, il y a plein de zombies autour. Plein de zombies autour du van. Il pleut. Merde. Alors, oh, il y a une fourche. Oh, je vais prendre la fourche. Il y a des scies, il y a des barrettes de soudage, il y a des chalumeaux, il y a de la ferraille, il y a des plaques en métal. Bah tiens, tu veux pas des scies ? Il y a des paquets de graines. Alors en fait, c'est si tu veux te stuffer, c'est ici. Quoi. Ah putain! Quoi? Il y a ta peinture. Et des plaques en métal de ouf. Sac de béton. Il doit y avoir une hache. Moi j'ai que des scies pour le moment. Ah, j'ai une pelle à neige, un marteau, un râteau, une corde. Ah, j'ai une planche. Sac de gravier, sac de sable. Tout et n'importe quoi, putain. C'est drôle. Il y a des milliards de planches. Ouais, c'est un bon plan ça pour. Ouais. Je vais annoter ma carte et je vais. Ferraille, râteau, pelle. J'aimerais avoir le temps de le faire. Moi. Chalumeau, baguette de soudage, ferraille, pile de fer. Un crayon de papier, un stylo bleu en haut si tu veux. Si tu veux remplir tes bouteilles d'eau ou boire, tu peux. En haut. Ouais, ok. Il y a une fontaine à eau. Et ta fourche. Ah bah écoute. Et ma chemise à carreaux, je fais bien redneck là comme il faut. Des plantoirs. Franchement, ici, c'est un bon truc. Comment dire? Truc de farmer. Ouais, en fait, pour construire tout simplement ta maison quoi. T'as du ciment, t'as des planches. C'est impossible de trouver un coin tant soit peu tranquille quoi. Allez, là t'arrives au milieu de tout le monde. Matos. Je vais marquer Leroy Merlin. C'est qui le mec qui vient de faire un et toi au milieu des zombies? Roi Merlin, c'est avec un grec, hein. Ouais, c'est le roi oui. Merlin. Tu connais pas le je vais déverrouiller la porte. Ok, je déverrouille celle. Non, l'autre, on laisse la fenêtre ouverte. On peut fermer la porte. La porte est fermée. Hein. Ouais, mais tu peux la déverrouiller de l'intérieur. Ouais, mais et tu veux que je la déverrouille? Ouais, bah... Oh putain. Mais... C'est quoi ça? Geoffroy, il a fait. Il a déclenché l'alarme de la maison. Il faut que je mange. Non, non, je mange. Non. Okay. Ah, si tu veux patienter, tu peux voir Geoffroy qui va bientôt mourir. J'ai pas de. T'as un ouvre-boîte? Ouais. Ah, c'est drame. Je te le mets par terre. Pourquoi t'en as deux? Non. C'est quoi là-bas? T'as fait le petit meuble noir là? Ouais, y'a rien dedans. C'est drame. C'est dommage, la maison avait l'air pas mal. Ah, c'est celle-là qui sonne? Vas-y, tu le prends après, j'en aurais besoin. Merde, je suis pas là. Et je vais manger quoi? Allez, des sardines.
Et en dessert, oh, rien du tout. Tac, 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 je pose par terre. J'ai l'impression que toi, quand il est accroupi, il est vraiment plus accroupi que moi. Peut-être, je sais pas. Mais si. Je crois il vit un film à lui tout seul quoi. Attends, je vais couper le son parce qu'en fait. Je vais pas m'en sortir. Surtout cela. On essaye l'autre maison du coup ou pas? Ah, bon, celui au-dessus, en dessous? Ouais. Tu veux les trucs verts? Bon. Eh bien, messieurs. Hein? Les trucs verts au nord ou la truc noir au sud? Non, le truc noir au sud. Messieurs, je vais m'arrêter là. Attends, tu peux attendre 2 secondes. Fais ton nouveau perso en attendant. Je peux attendre. Juste le temps. Je peux attendre. Putain, fais chier. Qu'on fasse l'autre bâtiment du sud. Vas-y. Ah. Y'a personne dehors. Ça me saoule. Après, c'était l'expérience de la voiture, quoi. C'est ça. Non, mais c'est surtout l'expérience où tu te rends compte que dans le reste de la ville, c'est juste blindé. Mais il y en a tellement, quoi. Il y en a tellement partout. Ils reviennent. Ça respawn. Ça respawn, oui. Je me dis. Ouais. Ah bah, gros entrepôt, pareil. Plein de plaques, des machins, une bêche, des marteaux, des trucs. Des milliards d'étagères, un casque de chantier, tiens, je vais peut-être le mettre. On va être trempé, putain, il pleut. Pêcheur. R&B Warehouse. Et du coup, toi, t'es bûcheron, Little P. Nico, t'es quoi? T'es toujours en fast-food? Ouais, il y a un autre casse de chantier là où je suis si tu veux. Ouais, truc de fast food. Non, mais menuisier, il n'y a rien à faire, c'est bien. Sur le principe, c'est bien. Ah, bah c'est ce que je voulais prendre au début, mais on m'a dit que t'es menuisier. Il y a une pompe à pneus. Il y a même plus de choix que vraiment à Leroy Merlin. Perforatrice. Les allumettes, je vais les prendre. Je vais prendre le briquet. Ouais. J'ai plus de place donc. La question à 1000 balles, c'est est-ce qu'il me fait pop? Près de mon ancien moi. Ça c'est bien, un calepin et une gomme. Où est-ce que je suis mort? Tac tac tac, j'ai tourné. Paquet de graines, des milliards de graines. J'ai tourné là-dedans. Ah bah c'est pas mal ça. D'accord, mais il a fait pop en plein milieu. Bon ok. Des planches, des clés anglaises, des trucs. Ouais, il y a tout ce qu'il faut. Moi je pense que le Roi Merlin c'est une bonne description. J'ai déjà pop là-dedans. Il faut avoir un sac à dos là. Ah, j'ai pas vu. Il y a de la et peinture même. Ah, du marteau. Une pompe à pneus, une bêche. Donc ouais, ton casque Little P, il est là dans le coin là. Non, ici, par là. Ok. Des lunettes de sécurité. Ça fait rien. J'ai regardé, ça faut pas de protection donc. J'ai pas pris. Oh putain, il y a plein de monde là aussi. Masque anti-poussière. Pouvoir isolant, résistant à l'air. Super. Bon bah je retourne vers le sud. Hein. J'ai perdu tout mon stuff, tout va bien. Ouais. Mais bon, ceci dit, je vais m'arrêter. Hein. Ouais, mais de toute façon. Hein. Attends, c'est quoi ça? Ah là, il y a un micro, non? Bon après, il n'y a pas l'eau courante, c'est ça qui roule. Ouais, c'est ingérable. Attends, si peut-être l'eau courante, s'il y a des toilettes. Ah, il y a des toilettes, il y a l'eau courante. Vous savez qu'au bout d'un moment, il n'y a plus d'eau. Même avec les. Un robinet? Ouais, c'est coupé. Il n'y a plus d'eau et après, il n'y a plus d'électricité. Ouais. Ah, tu veux dire que si tu joues très longtemps sur la même map? Ouais. Putain. Et comment tu fais pour avoir de l'eau? Il faut construire un récupérateur d'eau. Bon bah écoute, je te propose Little P de se mettre
dans les toilettes. Déco là. Mettez-vous un peu à l'abri, moi je vais essayer de faire de même. Attends, je vais fermer la porte déjà. Parce que... Je vais rien faire. C'est bon, vous êtes... Moi oui, mais Little Pinon. Allez, si tu veux faire une croix là, si tu veux que je te montre où on est, Geoffroy, nous on est. Ouais. Faut que tu descends encore là, les deux carrés noirs là. Voilà, d'accord. On est là-dedans, les deux. Et là c'est le ouais, Robert là. J'ai pas de stylo. Oh putain. Bon, hop. On avait dit se mettre à l'abri. Retourner sur le bureau. T'as disparu. Je suis un ninja, c'est pour ça. Par ce beau temps. Oh là là, c'est blindé de monde. Hop là là. Hop. Bon allez. C'est bon pour toi, t'es à l'abri, Little P? Ouais. Ok. Bon, bah, tac. Quitter. Pouf. Je vois du monde qui arrive. Bon, bah... Il y a eu assez peu d'interactions avec nos... les viewers. C'est le moins qu'on puisse dire. Et j'ai absolument pas enregistré pour YouTube. Je gérerai ça avec... mon chef. C'est le signe noir qui va être content. Bon bah en tout cas merci à vous deux, hein. C'était cool. Merci à ceux qui nous ont regardés. Oui, bonne soirée. Et puis bah à une prochaine, on verra quand. Des bisous tout le monde. À plus. Allez.